comment te dire? Vas-y. Tu vois, ma devient des blanches. Oui. La toute première que j'ai eue. Et ben, elle a cessé de fonctionner, cette salope. Oui, ça j'avais cru comprendre mon message. Le Genre, reste. en gros, elle s'allume et tout, tu vois, t'as les LED qui dit comme quoi elle est allumée, mais il n'y a pas de son. Donc du coup, ça fait déjà 2 jours que j'avais plus de son, machin. Je me suis dit, bon, ça se trouve, merde et tout, je vais appeler le service, enfin, je vais appeler la FNAC et tout. Donc, j'envoie un message au robot de la FNAC, machin, qui m'envoie vers le conseiller technique. Le conseiller technique, il m'appelle, machin, il me fait faire les tests de l'enceinte pour voir s'il y a du son, machin. Bref, ça sert à rien, mais je les fais quand même. Est-ce que vous avez branché l'enceinte? Vous top, il a redémarré. Ce genre de truc-là? Je lui dis qu'il n'y a plus de son, mais il veut quand même que je connecte le Bluetooth à mon téléphone, machin, et musique. Ok, vas-y. Oui, les deux boum boum que t'as entendu, c'est que ma souris elle bouge plus. Ah, c'est Bah les couilles. bon. Du coup, le conseiller Vas-y. technique, soit vous appelez de mairie, soit vous déplacez direct à la FNAC de Tours. Je fais bon, bah je vous déplace à la FNAC de Tours, ce sera plus simple. Donc, du coup, le lendemain, je mets mon réveil à 8 heures. Je me lève à 8h, je pars à 8h30, j'ai 1h30 de trajet, je vais à la FNAC de Tours, j'arrive et tout. Bon, déjà, il y a un combat de place de parking, c'est épique. Bref. Du coup, j'arrive à la FNAC et tout, avec mon enceinte qui pèse 5 putains de kilos, avec le gros carton, la housse et tout. Bref, la totale. Déjà, je traverse quasi la moitié de Tours avec une enceinte qui pèse 5 kilos, je peux dire que. Surtout qu'après, fallait que je monte des escaliers et tout. Donc j'arrive au service après-vente de la FNAC. Le monsieur me dit bonjour, c'est quoi votre problème? Moi je dis bah, mon enceinte de Vialet elle marche plus. Et là, le gars, c'est pas qu'est-ce qu'il sait qui me sort. Il me sort, ouais, faut appeler le service de Vialet, machin, parce que nous on peut rien faire. Je le regarde, je fais, t'es au courant que je viens de faire 80 km juste pour qu'il me dise ça en fait. Ah ouais, non, il est désolé, je suis connard. Et du coup, bah, je l'ai engueulé, le mec. Il n'a pas bronché. Du coup, je fais, eh, vas-y, nique ta mère. Je suis reparti de la FNAC. Et puis après, j'ai contacté le service de Vialet, machin, qui m'a fourni le bon d'échange au bout d'1h30 quand je suis rentré. Du coup, bah, j'ai le bon d'échange, mais j'y vais la semaine prochaine pour échanger l'enceinte. Parce que, bah. Déjà, de 1, service après-vente, il est fermé aujourd'hui. De 2, je travaille vendredi, samedi. Et dimanche, ils sont fermés. Lundi, eh ben, il y a mon pote, enfin mon collègue qui fait son covering. Mardi, j'ai l'inventaire le soir, du coup, je peux pas aller à Tours. Et du coup, ben, ça me laisse le mercredi pour y aller. OK. Donc voilà, tout, et j'ai gaspillé toute ma matinée pour ça hier. J'ai fait 160 km pour que dalle. Sachant que le prix de l'essence avait augmenté, mais genre vénère! Et ben. Je vois ça. C'est le gros enculé de la FNAC. Et en plus, l'autre connard, là, il me dit vous pouvez les laisser à la FNAC de Tours et tout, ou les changeons, ouais, ta mère. Bon, mise à jour de 1, fini. Et du coup, c'était quoi ton problème avec ton PC là? OneDrive, il me pète des couilles, même désinstallé. Genre, j'avais désinstallé OneDrive et tout. Et du coup, putain, ça fait déjà 4 minutes 30, putain, 4 minutes 30 de vidéo tranquille, merci. Du coup, ta OneDrive, il me pète les couilles parce que il s'est bâtard. Alors, je sais pas comment que ça s'est passé, tu vois, j'avais mis. Comment? R6 et Odyssée, normal, je les avais téléchargés. Je vais même retélécharger Odyssée parce que, comme un con, je l'avais pas mis sur mon disque dur. Et Ah du bon, coup, bah, aussi. tout y marchait bien et tout. J'ai dégagé OneDrive.
Et c'était quand? C'était mercredi, je crois. Ouais, dans l'après-midi. Je me suis dit, bon, je vais me faire un petit Odyssée, tout tranquillou, pilout. Là, j'arrive, je clique sur Odyssée, et mes messages d'erreur comme quoi je peux pas le lancer et tout, magnagna. Je fais quoi? Comment ça? Je regarde où est le fichier. Je fais, mais où est le fichier? Et quand j'arrive à le trouver, parce que tu sais, je vais dans le menu démarrer et toutes ces conneries-là, voilà, pof. Et il me dit que le fichier que j'ai est dans OneDrive, alors que j'ai jamais mis là-dedans, et qu'il est à 100, 100 kilobits ou un truc comme ça, enfin 100 kilooctets. Et là, je fais, mais c'est pas normal ça! Du coup, j'ai cherché dans tous mes fichiers, il n'y avait que là où il était, du coup, je me suis dit, bon, et bah, R6 et Odyssey, on retélécharge. Voilà, ça m'a cassé les couilles. Donc, R6, il est retéléchargé, mais Odyssey, il me manque encore à 20 h. J'ai une peau de merde. Voilà. C'est con. Ça me casse les couilles. OneDrive, même dégagé parce qu'il me pétait les couilles, il continue de me péter les couilles. Décidément, c'est pas ta spécialité, toi, ce que je vois. Bon, ça va, c'est que le téléchargement, on sait pas faire je sais pas combien de bornes et avec une enceinte qui coûte plus de 1000 balles. 300 euros, Ouais, minimum. 1300. Donc en vrai, ouais, c'est un peu Celui qui a galère, mais le moi, toi. plus somme entre nous deux, c'est moi, je crois. Oui, c'est toi, c'est toi. Moi, c'est juste un téléchargement qui va me péter les couilles. Oui, bah moi, c'est une enceinte à échanger. Je vois ça. Putain, toutes mes. Oh, tous mes trucs favoris, celle-là, ça dégage. Je crois que c'est ça. Le Cadwell. Léger, c'est je vais t'éclater. Ah putain. Allez. Ouais, vas-y, non, ça me casse les couilles. Le JT qui font des super trucs, mais leur logiciel, c'est de la grosse merde en bois. Ouais, des fois tu te demandes pourquoi machin, t'as le truc ici lancé, tout bien, tout comme il faut, t'as le son surround, et puis après tu fais. Putain, c'est bizarre le son, il est un peu merdique, hein! Là, tu essaies de le lancer 15 fois, le truc il se lance pas, vas-y, ça va te casser les couilles. Oui, bah, surtout que moi, s'il se lance pas, j'ai pas mes raccourcis de la souris avec le clic gauche, enfin la molette clic gauche et clic droit, j'ai plus mes Ah oui, bah oui! boutons machin. Du coup, bah, ce qui fait qu'en jeu, bah, je suis niqué, je suis obligé de changer mes touches. Et ça, c'est galère. Ah non, mais à mon avis, je vais changer mon setup de Logitech parce que c'est de la grosse merde leur logiciel, sans déconner. Leur Non, leur logiciel, ouais. logiciel, je suis obligé de le désinstaller, de le réinstaller, et pour peu qu'il marche, hein. Alors. Des galères. C'est des Putain, galères c'est pas d'humain. ma semaine. Je vois ça. Alors, outil 1, RT, V. Ah bah en fait, mes touches étaient déjà changées. Oui, j'avais déjà prévu le coup, alors. Oh bah voilà, c'est bon, tranquille. Non, j'aime bien le gros paquet, mais pour le moment, c'est pas ça qu'il me faut, c'est la grenade collante. Moi aussi j'ai un gros paquet. Oui, je sais. Non, quoi? Hein? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'étais dans mon truc en train de chercher dire tout ce qu'il faut mettre, vas-y. Tard. Ralentis maintenant. Casse les couilles, bah, je mets mon gros paquet. Je m'en bats les couilles. C'est que tu bats mon gros paquet. Mais tu m'as dit j'ai un gros paquet, moi j'étais en train de chercher les trucs et tout ce que je devais mettre, j'étais concentré. Si tu pètes les couilles. Moi j'étais pas prêt à dire ça. Il n'y a pas de gameplay, c'est comme les fails sur Rocket. Il n'y a pas de gameplay, mais c'est marrant. Abonne-toi, bâtard!